Salut la compagnie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fire Emblem Heroes. Je vous ai déjà fait une vidéo découverte, un petit peu longue, mais j'ai décidé de vous faire une suite en vidéo détente avec des vidéos qui vont durer 10-15 minutes, pas plus. Donc ces prochains temps, vous aurez sûrement plusieurs vidéos de ce jeu. Pourquoi? Parce que je pense que je n'aurai pas le temps de faire des vidéos très diverses au niveau détente, découverte ou let's fun. Donc ça, je vais vous l'expliquer pourquoi dans une autre vidéo. Et puis en plus, c'est un jeu que j'aime bien. J'avoue que je l'aime plutôt bien. Même si je pense que je vais être nulle au fur et à mesure. Bon bah, c'est parti hein. Donc on reprend où on s'en était arrêté au niveau du prologue acte 3, la guerre des héros. Et c'est parti. Acte 3, la guerre des héros. Véronica, oh les hauts tacs les badass. Allez, petit héros, pliez, détruisez, ravagez tout sur votre passage et écrasez toute résistance. Elle a pas l'air gentille par contre. Lorsque ce royaume aura disparu, plus personne ne s'opposera à moi. Tous les héros de tous les mondes m'appartiendront. Tous. Elle est un peu folle, celle-là. Nous ne laisserons pas faire Princesse Véronica. Vous allez devoir répondre de vos actes. Je n'aime pas votre ton. Soyez gentil ou je ne vous montrerai pas la petite surprise que je vous ai préparée. Je pense qu'il vaut mieux pas. Et vous? Qui êtes-vous, étrangère? Si j'en crois votre stupide relique, vous êtes l'invocatrice légendaire. Oui, c'est moi. C'est si peu dire. Bref. Bah, peu importe, vous serez la première à mourir, voilà tout. Xander. Alors lui, il a trop la tête genre de... genre d'un prince Disney quoi, mais version méchant. Genre version plus badass en fait. Voulez-vous que j'élimine cet individu, Princesse Véronica? Volontiers. Je ne sais pas faire des voix différentes, je tiens à préciser, je pense que ça s'est remarqué. Oh non, elle s'est emparée de Xander, l'un des plus puissants héros du monde des conquêtes. Nous vous protégerons, Kiran. N'ayez crainte. Tenez prêt, oui, bon, ça ne sont pas des fous, voilà. Est-ce c'est parti, mon kiki? Alors, il faut pas oublier notre fameux petit triangle. Rouge sur le vert, il n'y a pas de vert. On a du rouge et il faut du bleu. Voilà. On va vous avancer. Moi, j'ai mis l'archer devant, je suis complètement débile. Voilà. On marque archer contre archer. Voilà. Bon alors elle il faut que je la tue parce que les soutiens c'est au taquet chiant. Hein. Donc je vais commencer par elle. D'accord. Parce que j'en ai qui font du soutien ici. Apparemment oui. Ah. Ok. Je peux pas aller par là. Non? Ok. Ah oui, j'ai dit, faut que je tue le soutien. D'accord, elle se planque. Je déteste les soutiens. Ah oui, mais moi j'ai foutu ma... dans un mur en fait, j'avais pas vu. J'ai pas vu qu'il y avait un mur. Il reste que 6 points de vie. Je suis dans la caca. Oh my god. Oh débile que je suis moi, dis donc. Je vais le cacher. Bon, elle, il faut vraiment que je la tue en premier parce que là ça va pas être possible. Non mais c'est de l'acharnement là. Ça s'appelle du harcèlement. Ah ouais. Forte. Alors. Yes. Yes. Bon, déjà lui c'est fait. Après elle est partie se planquer tout au fond là-bas. Sauf que je ne puisse pas l'atteindre. Donc on va y aller comme ceci. J'ai remis mon archer devant. Hein. C'est pas grave. Il va me défoncer l'archer. Non, non, mais non. Non. Je suis pas d'accord. Ah non, il va me le tuer. Quand j'ai dit que j'étais nul, c'était sincère. Yes. Let's go. Huh.
shall we? Bon, déjà comme ça, ça s'est fait. Lui, il est mort. Voilà. Oui, on s'en fiche. Ah, il me reste toi. Bon, on va te mettre là. C'est le seul qui a encore tous ses PV. Ouais. Non, mais non. Nope. My turn. Onward. Alors toi, tu vas... Hop. Oh, c'était violent. Ouh, j'aime ça. Et toi, t'attaques lui. Voilà. Bon bah j'aurais réussi. J'ai un peu peur quand même. Mais j'ai réussi. C'est déjà ça. C'est pas mal. Bon, tout le monde est parti. Je n'ai plus qu'à rentrer à la maison et me consoler avec une tasse de thé. Ah c'est ça les cheveux gris en fait. La princesse a battu en retraite. Nous avons gagné cette fois-ci. Mais je n'ai qu'une question de temps avant que l'Empire ne revienne à la charge. Qu'est-ce qu'elle peut être têtue? Pourquoi ne veut-elle pas entendre raison? Ça n'a aucun sens. Franchement, il faudrait mieux d'apprendre la diplomatie au lieu d'agir comme une telle peste. Du calme, Sharina. Ne vous laissez pas dominer par vos émotions. Cette phrase tellement philosophique. En portant l'uniforme de notre ordre, vous vous devez de garder la tête froide en toutes circonstances. D'accord, pardonnez-moi, commandant Anna. Cette guerre est brutale et je suis navrée que vous deviez y participer, Kiran. On m'a pas trop demandé mon choix. Passage, je tiens à le préciser. Mais je suis content de pouvoir compter sur vous au sein des gardiens d'Arsk. Bon, est-ce qu'on... On a débloqué le chapitre 1, mais il reste des trucs dans le prologue. Ah non. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On se tente le petit chapitre 1. Allez. Et là, je sens que ça va être au taquet long. Chapitre 1, acte 1, premier pas en Akania. Je viens de recevoir une information selon laquelle l'Empire d'Ambla aurait envahi le monde de Mystérie. Il compte asservir ses héros dans le but de monter une attaque contre notre royaume. Malheureusement, ils ont déjà mis la main sur le héros le plus puissant de ce monde, Marth. Le légendaire roi héros, si Marth dirigeait une attaque sur le royaume d'Arsk, les conséquences seraient terribles. Ils ont une légende, et alors? Nous en avons une aussi. Vous avez oublié notre avocatrice ou quoi? Dirigeons-nous immédiatement... Ah! Faut pas que j'essaye d'aller vite. Immédiatement vers le monde de Mystérie, nous devons libérer ces héros plus vite. La tâche ne sera pas facile, j'espère que vous êtes prête. Oh mais il a l'air gentil. Je suis Marth, prince d'Altea. Vous devez être les gardiens d'Arsk dont j'ai entendu parler. J'imagine que vous connaissez la nature du contrat qui nous lie à la princesse Véronica. Les héros du monde conquis sont aux ordres de l'envahisseur, c'est aussi simple que ça. Pour rompre ce contrat, vous devez prouver votre supériorité. Sachez que nous n'économiserons pas nos forces, à vous de montrer ce que vous savez faire. Oh mais il a l'air gentil lui. Ah ils sont trois. Alors. Toi, il faut que tu ailles par ici. Toi, il faut que tu ailles par là. Et du coup, vous, on va vous avancer un peu. Il a une tête pas belle. Bon, ça, c'est fait. Ah, elle, il faut un arc. Ah bah non, en fait, pas la peine. Elle est morte. Ok, et donc lui, il est rouge, donc il faut que elle attaque. Oh non, c'est pas gentil. Ah, c'est bon. Et voilà, le tour est joué, je suis trop forte. Bon, faut dire que pour l'instant, vu le niveau, voilà quoi. Je n'en attendais pas moins de vous, mais ne vous réjouissez pas trop vite, le combat est loin d'être terminé. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, ce sera à votre tour de battre en retraite. C'est plutôt pas mal, donc on va s'arrêter là, tout simplement. Bon, c'est des épisodes qui sont assez courts, donc ça va faire quelque chose d'assez long, je pense. Je sais pas si je peux dire que c'est une série à proprement parler. Mais en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, à laisser un commentaire pour dire si le format te plaît, si le jeu te plaît, ou si t'aimes les patates, ce que tu veux, et je te dis à très vite.